Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Saisis-toi de ta délivrance. Nous allons parler de l'autorité que nous avons reçue en tant qu'enfants de Dieu. Yes. Et j'ai deux hommes pleins d'autorité avec moi, Jérémy et Frank. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Fire. Alléluia. Praise une bonne God. Émission. On se parle comme ça en, en, parlant en, fait. en anglais aujourd'hui, c'est ça On parle comme ça, on dit des mots puissants. Jérémy et moi, <laughs> souvent ensemble. on ensemble. <laughs> Feu Glory à Dieu. Hallelujah. En espagnol maintenant, autre chose. Non, pour le moment, en lingala. Ça va aller. Toi qui parles si couramment lingala. Lingala, non, je... <laughs> pas aujourd'hui. Il aurait aimé, t'aurais aimé en non, oui. non, je veux pas trop, trop parler lingala. Après, on va me dire tout le temps, ouais, tu ouais, parles ouais, que lingala. Ouais. Non. Bien sûr. Pour changer un peu. Mais bien sûr, t'as pas ton petit, ta petite anti sèche. Mais bientôt, <laughs> je vais avoir une émission en lingala à 100 Ah bon Oui, oui. ce ah ben sera bientôt, euh, C'est une exclusivité que tu nous Oui, dis, là. exactement. Même moi, je n'étais pas au courant. Tu Et vois. voilà. Une information nouvelle. T'as <laughs> intérêt à le faire maintenant. <laughs> T'es lié par cette parole. Mais nous n'allons pas parler de Lingala aujourd'hui, ni d'émission en Lingala. Nous allons ah parler, mais nous saluons nos amis du Congo quand même. Bonjour ah à tous. Bonjour, bonjour, bonjour. À nous suivre. Mais nous allons parler de l'autorité que nous avons reçue de cette délivrance qui est disponible. Certains d'entre vous, vous vivez des choses terribles depuis tellement d'années. Vous allez être vraiment encouragés aujourd'hui et nous croyons qu'aujourd'hui, oui, c'est le jour de votre délivrance. Croyez avec nous que. Quelque chose va se passer dans votre vie à la suite de cette émission, parce que nous on en sommes convaincus. Et euh, Jérémy, tu vas répondre aujourd'hui à un pasteur. J'ai une question sur les finances. Non, pas sur les finances. Oui, oui sur, euh, c'est vrai, sur les dettes. Et on va répondre à la question de Christelle oui. du Canada. Euh, qui nous pose la question comment se débarrasser des dettes et de l'esprit de pauvreté C'est vrai, c'est les finances. Est-ce est que tu dirais qu'il est aussi, avec moi dans ses introductions bah, Pour le coup, oui. <laughs> elle m'a pris, pris de court. <laughs> Il vient de découvrir la question à laquelle il la répondre. C'est euh... vrai que ça fait longtemps que tu n'es plus venu. On est content longtemps. que tu sois là. On est merci, content. Merci. Et Nadine et Aurélie vont nous rejoindre dans cet intro qui n'en finit plus. Euh, Nadine va nous présenter le livre de la semaine de John Paul Jackson, Combattre sans blessures inutiles. Quand on a tous vu la couverture du livre, on a dit, ah, ça a l'air génial. Donc, on a hâte de découvrir ce livre. Et Aurélie va nous partager un témoignage apparemment extraordinaire selon ce qu'elle nous a dit. Une femme qui, après des années de difficultés a vécu des, je dis bien wow. des déblocages miraculeux. On va découvrir tout ça à la fin d'émission. John Paul Jackson, c'était un oui. prophète en passant. Ah, merci. Juste pour que tu le saches. Mais je ne les, le savais pas. Les téléspectateurs pas. le sachent. Effectivement. Tu Qui pourras. Comme tu ne seras pas là, qu'on a dit pas voilà. le faire, je pourrais dire John Paul Jackson, c'est un prophète. Nadine. Et elle va être surprise. Ah oh, oui <laughs> Je pense qu'elle ouais. le sait. Elle a fait, fait de... <laughs> elle a fait ses devoirs. Elle a fait ses devoirs. Un Allez, formidable. on commence tout de suite parce que le temps file, file, file aïe, avec aïe, la aïe, pensée du jour. Et on parle de se saisir de notre délivrance parce que c'est ce que vous avez possiblement besoin de vivre. Vous connaissez votre situation, vous savez par quoi vous traversez ou quelqu'un qui est autour de vous. Euh, on va donner quelques clés aujourd'hui par rapport à la délivrance et notre autorité parce qu'on doit saisir ces vérités et ces réalités. On va lire ensemble dans Marc 9, le verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Donc la scène est déjà. Euh, assez bien décrite. Jésus demanda au Père Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive Depuis son enfant, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous euh... On parle ici de, de recevoir la délivrance qu'on a de besoin. Et déjà dès le départ, je voudrais pouvoir vous encourager, vous dire regardez l'attitude de Jésus dans ce moment de crise, l'enfant qui s'agite, qui est que mon sol. Les gens sont tout autour, Jésus reste calme. Dans votre dans votre moment de difficulté, restez calme. Si vous avez besoin d'une délivrance quelle qu'elle soit, que ce soit euh, mentalement, que ce soit vraiment une oppression spirituelle, le Seigneur va agir au travers de cette émission dans votre vie. Maintenant. On peut avoir des montagnes qui sont énormément grandes dans nos vies, qui peuvent sembler énormes et on ne sait plus quoi faire. Je veux vous encourager, prenez du recul. Prenez du recul et voyez les choses différemment. On veut vous encourager à saisir la délivrance que Dieu a pour vous aujourd'hui. Vous devez arrêter de subir les tourments, les oppressions, les, les attaques diaboliques qui peuvent être là dans vos vies, que ça soit sous forme euh, générationnelle, que ça fait des, des décennies que votre famille vit et subit des choses. On va en parler dans l'émission justement par rapport à ces liens générationnels, euh, que ce soit une maladie, que ça soit une oppression spirituelle, des, des addictions. Des choses qui vous tiennent captifs, vous devez prendre du recul et voir les choses différemment, arrêter de les subir parce que quand on regarde à la parole de Dieu et on voit des Josué, des gens à qui Dieu a appelé, a délégué une certaine autorité, nous, nous avons l'autorité du nom de Jésus aujourd'hui. On doit arrêter de subir et de dire non, on va partir à la conquête et on va être victorieux. Je veux vous encourager, soyez de ceux qui n'allaient pas être dans le doute, vous n'allez pas être de ceux qui, qui, qui allaient avoir peur, comme ces espions qui sont allés voir la terre promise, que Dieu avait promis, mais vous allez être comme ces deux qui vont revenir et qui vont dire « Non, c'est possible ». À la fin de cette émission, aujourd'hui. Vous allez croire que votre délivrance est possible et vous allez la saisir par la foi parce que vous allez réaliser l'autorité qui est là. Il y a quelque chose en vous qui va se manifester. Je, je, je le sens déjà que vous allez commencer à être fortifié. Vos yeux spirituels vont s'ouvrir parce que les choses qui sont là, qui ne doivent plus être là, que ce soit dans la vie de vos enfants, comme ce père qui avait cet enfant qui s'agitait, qui était possédé, ça doit casser dans vos vies aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez saisir votre délivrance. On va prier pour vous plus tard dans l'émission et on croit que Dieu va agir avec puissance. Vous allez être de ceux qui allez partir à la conquête et qui allez être victorieux au nom de Jésus-Christ. Accrochez-vous à la parole de Dieu. Merci Seigneur. Mm. Evelyne. Oui, Frank. Pff, j ai, j ai, je devais arrêter ma pensée. Oui, mais tu avais envie de continuer. J'ai envie de continuer. Bah, continue. Et, et j'ai envie de, de, de pouvoir parler des liens générationnels tout de suite, si ça ne dérange pas, parce non. que vous suivez l'émission. Et plusieurs parmi vous, je me rappelle, j'ai parlé avec un homme de Dieu qui dans sa famille, c'était le cancer. Euh, un frère, une sœur, un frère, une sœur, chacun était frappé du cancer. Et lui, il était un enfant de Dieu. Un homme de Dieu connaissant son autorité. Il a dit, dans ma famille, ça s'arrête. Il était au funéraire de, ses, de, de, de son frère. Il est allé au bout du cercueil. Il dit, au nom de Jésus-Christ, esprit méchant, tu ne toucheras plus à ma vie ni au ceux de mes frères et de mes soeurs, je brise ta puissance. Mmh. Et plus jamais, à partir de ce moment, quelqu'un de sa famille a été, bri... a été frappé par le cancer par la Alléluia. suite. C'est que tu prends autorité, tu t'énerves, tu connais ton autorité. Ceux qui subissent sont ceux qui ne connaissent pas ce qui leur appartient. Mmh. Et les liens générationnels qui sont là, on doit comprendre que ça peut être... Euh, et, et naturellement, on doit faire des choses. C'est-à-dire que peut-être vos parents ont dit des choses constamment parce que eux ils se sont fait dire quelque chose et vous, vous avez commencé à dire la même chose. Vous oui. devez dire non, c'est fini. Ma confession va changer. Ma façon de voir les choses va changer. Je vais penser différemment et parler différemment parce que je suis un enfant de Dieu. Ce cycle dans la famille, que ce soit même pas forcément une oppression spirituelle, mais c'est des choses qui se font et qui se font, comme la pauvreté. Souvent, on va voir les, les familles, la pauvreté frappe génération après génération. Vous allez dire, non, moi, ça s'arrête. Parce que Jésus, à ma place, il a porté la malédiction de la loi, et il m'a racheté de ça. Et enfin, on doit prendre autorité. Et ça, ça, ça va demander à ce qu'on s'énerve et à ce qu'on se dise non, je prends position. Ouais. Et aujourd'hui, ça n'a plus le droit d'avoir son effet dans ma vie parce que je suis racheté un enfant de Dieu et ça n'a pas le droit de persister. Et ça, il faut prendre autorité. Se saisir de notre délivrance et dire, Seigneur, tu m'as promis des choses. Maintenant, il y a des oppressions qui sont là. Dans ma famille, ça fait des, des années qu'on subit des cauchemars la nuit. Ça fait des années qu'on dort mal. Ça fait des années que ma femme est sous des oppressions spirituelles, dans la dépression. Non! Ça finit, ça casse au nom de Jésus Christ. Je me saisis de ce qui m'appartient. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vous encourager à faire. Saisissez-vous de votre délivrance. Amen, Amen. Le diable ne peut pas avoir le champ libre comme ça dans nos vies, comme non. si de rien n'était. Je ne pas, imaginons une scène de guerre. Des soldats sont là pour protéger une ville dans laquelle il y a les femmes, les enfants réunis. Et les soldats, au lieu d'être en mode combatif, prêts, armés à repousser l'ennemi, sont tranquillement en train de regarder le ciel, assis par terre, en train de discuter. C'est Souvent, les chrétiens, on est comme ça. On est passif. On oublie qu'on est en guerre mmh. et que le diable veut sans arrêt venir attaquer notre famille, nos enfants, notre couple, notre travail, nos finances, notre corps, notre santé. Le diable va chercher la moindre porte d'entrée pour venir frapper et attaquer. Et nous, si on n'est pas en mode combatif, prêt à repousser l'ennemi, ouais. c'est journée porte ouverte. Allez, fais ce que tu veux, Satan. Je me souviens euh, rapidement d'une sœur un jour dans une réunion d'église. C'était tellement beau, j'oublierai jamais ce moment-là. Elle était victime de dépression, sa vie était chaotique, ça allait tellement pas. Puis je mmh. sentais qu'il y avait quelque chose de spécial pour elle cette journée-là. Et puis je suis allée la voir, puis je l'ai simplement pris dans mes bras, elle s'est mise à pleurer, pleurer, c'était lourd. Et tout à coup, je la voyais même pas, elle était dans mes bras, mais je l'ai entendue avec une voix remplie d'autorité et une sainte colère. Elle a dit, Satan, maintenant tu lâches ma vie! Mais vraiment de toutes ses forces. Et j'ai senti littéralement quelque wow. chose sortir d'elle. Je me suis mise à pleurer, j'ai trouvé mmh. ça tellement magnifique de voir quelqu'un qui s'est saisi de son autorité. Voilà. C'est puissant en fait, c'est puissant parce qu'à partir de ce moment-là, elle a dit, elle a fermé la porte, c'est fini mmh. et c'est extraordinaire. Amen. On parle souvent des, des liens générationnels et j'avoue que la première fois que j'ai entendu ça, ça me faisait un peu bizarre <laughs> à cause des excès qu'il y a eu, oui. des gens voilà. qui crient constamment contre les démons. Ouais. Mmh. Les démons, l'intensité le, le, de notre voix ne leur fait pas peur, c'est l'autorité qu'il y a derrière. Ouais. Et donc, euh, mais c'est vraiment une réalité. Tu as parlé de la porte, euh, des portes qui sont parfois ouvertes. Mais il faut se poser la question quand on parle de lien générationnel, ça veut dire qu'il y a un lien, c'est quelque chose qui s'attache à une autre chose. Ça veut dire que euh, de génération en génération, le lien va s'attacher d'une généra génération à une autre. Et euh, ce lien-là, eh il va essayer de trouver une porte. donc au départ, il s'est attaché peut-être à cause d'un péché, il s'est attaché à cause de euh, quelqu'un aller voir un voyant, etc., voilà. toutes mm -hmm. sortes de choses, ou, euh, bref, ignorance et tout. Mm -hmm. Mais après, il va essayer de s'attacher à nouveau à la prochaine génération et il va essayer de trouver une porte ouverte. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que ce lien va, va essayer de, de chercher euh, une porte pour pouvoir s'attacher à nouveau dans la vie de l'enfant, par exemple, mm. si c'est de père à fils, etc. Et ça va souvent passer par un péché. C'est ça que j'ai à cœur de dire aujourd'hui, c'est que ça s'attache souvent à un péché, euh, à un geste, à une attitude, euh, à des façons de penser également. Donc forcément, mm -hmm. si on pense et qu'on va parler ici et là, il va essayer de ouais. chercher quelque chose, une porte ouverte. Et souvent, mm -hmm. en fait, bah, comment on brise les liens générationnels, tu en as parlé, ouais. avec la, la confession, la parole, ça, la parole d'autorité. Bah, C'est en, en arrêtant aussi parfois certains péchés. Voilà. Le fait de briser, de renoncer, de se repentir devant Dieu, de certaines choses, de certaines attitudes, certains manques de pardon, tellement, ça arrive tellement souvent, euh, de la colère, de la haine aussi que quelqu'un peut avoir dans son cœur, ouais. eh bien, ça va simplement briser ce lien générationnel. Et une deuxième chose que j'avais à cœur de dire, je connais un, un frère, euh, il n'est ni pasteur, ni évangéliste, ni enseignant, ni prophète, ni apôtre, un, un chrétien et un enfant de Dieu. Et euh, il a, avec son épouse, euh, amené à la délivrance des centaines, des milliers euh, de chrétiens euh, pendant les, je pense, ça fait peut-être 20 ans ou plus encore qu'il fait ça euh, quotidiennement. Et euh, je lui ai posé la question un jour, je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà eu des, des attaques chez toi, mm -hmm. des trucs bizarres, parce qu'il fait ça chez lui, à la, à la maison, il y a même ses propres enfants qui dormaient chez lui au début, mm -hmm. maintenant ils ont grandi, mais ouais. ils viennent nous visiter, tout ça, je lui ai dit, mais est-ce que vous avez du cauchemar, vous avez euh, des attaques, des choses bizarres, il dit, pas une seule fois mm -hmm. Et quelqu'un, un autre frère, me disait, lui c'était un pasteur, un ami, il me disait Moi je pourrais dormir avec un sorcier, je dormirais tranquillement. Donc en fait, c'est vraiment voilà. une, une disposition de savoir et de connaître notre position spirituelle. Mm -hmm. Si on connaît notre, notre autorité, et il faut qu'on la connaisse toujours plus, vraiment, qu'on qu prenne position par rapport à ça et qu'on s'en saisisse, on n'aura pas de problème. Et lui, je lui ai dit, Mais, entre autres, qu'est-ce que tu fais pour ne pas avoir de problème Il disait, à bah, chaque fois qu'on va chasser un démon ou qu'on va, voilà, va entendre une histoire, on prend autorité pour délivrer une personne. À la fin, il déclare simplement une parole d'autorité mm -hmm. et c'est fini. Voilà. Donc, voilà, saisissons-nous de notre autorité et repentons-nous si Amen. on a ouvert une porte. Vraiment bon. d'accord, vraiment d'accord. On va regarder notre verset du jour. Euh, avant de passer au pasteur, j'ai une question. Jérémie, notre verset du jour qui est dans le psaume 68 au verset 21. <coughs> Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. C'est l'Éternel, le Seigneur qui peut nous préserver de la mort. Alléluia! Nous avons un Dieu exceptionnel. Il faut comprendre justement que quand on se saisit de cette autorité, on se saisit en fait du nom de Dieu, de la puissance de Dieu qui habite en nous. Et c'est Son autorité qui est en nous. Ce n'est pas notre autorité, c'est l'autorité de Dieu qui est en nous. Et Jérémie, on va répondre à la question dans Pasteur. J'ai une question de Christelle du Canada et après on va prendre un temps. Pour prier pour Amen. nos téléspectateurs. Donc, il va falloir faire un petit peu plus court pour qu'on réussisse à tout faire tenir dans cette émission, Jérémy. Mais j'ai confiance Pas de en soucis. toi. J'ai confiance en toi. Comment faire pour se débarrasser de l'esprit de pauvreté et des dettes mmh. Eh bien, c'est une bonne question, puisque beaucoup de gens sont touchés par euh, la pauvreté. On sait qu'il y a beaucoup de gens, même, qui vivent encore aujourd'hui, une personne sur sept, je crois, qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Mmh. Donc, effectivement, cette pauvreté va toucher beaucoup de gens. Euh, ce matin, dans ma méditation, méditation, je suis tombé sur Luc au chapitre 1 et au verset 46, un passage où Marie, donc la mère de Jésus, va s'exclamer, elle va dire ⁇ Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. ⁇ Et Marie va exalter le Seigneur dans ses pensées et dans son esprit. Alors on parle ici d'un esprit de pauvreté et de dette. Souvent, cet esprit de pauvreté euh, va être rattaché à des mentalités, des façons de penser, des raisonnements, et parfois il n'y a aucun esprit mauvais euh, qui oppresse une personne mmh. ou une autre, mais c'est vraiment des mentalités, mmh. etc., qui amènent la pauvreté tout ouais. ça dans, dans la vie. Des fois, oui, ce sont des esprits mauvais qui vont attaquer, etc., par des liens générationnels parfois de pauvreté ou autres, mais pas toujours. Et Marie va exalter le Seigneur. Dans son âme et son esprit, il sait bah, vivre quelque chose de, de surnaturel. Euh, on a du mal à, à le comprendre ici, mais elle dit Mon esprit a de l'allégresse en Dieu. En fait, son esprit va bondir de joie, comme à un moment Jésus, il va frémir dans son esprit. Et il faut que ceux qui euh, voilà sont sous-sujets, euh, soumis à cet esprit de, de pauvreté, de dette, puissent dans leur esprit. Avoir cette, cette visite, je vais, dire, je vais appeler ça comme ça, cette visitation du Saint-Esprit où l'allégresse de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu va faire va briser tous les liens de pauvreté dans leur vie. Elle dit euh, au verset 52 « Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer à vide les riches. » Aujourd'hui, je voudrais vous encourager à prendre simplement la parole de Dieu pour ce qu'elle est. On aurait pu donner plein de conseils, ouais. euh, le fait de travailler, le fait de semer, le fait, etc., de, de bien parler, de confesser. Et ce sont toutes des choses qui sont bonnes. Mais je voudrais que vous puissiez vous saisir de la, la puissance de la parole de Dieu. Il, la parole dit, il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de bien les affamés, renvoyer à vide les riches. Dieu veut rassasier de bien. Les affamés. Et on voit un peu plus loin, euh, dans le chapitre 2 de Luc, il est écrit l'ange va dire, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. J'aimerais vous dire que si euh, vous êtes attaqué par euh, la pauvreté, par les dettes, si vous avez une situation difficile par rapport à, à l'argent, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Jésus-Christ est le sauveur de mmh. votre situation. Jésus-Christ est le sauveur de vos finances. Il suffit à lui-même. Et je prie que vous puissiez recevoir une révélation encore plus grande de Christ. Quand les mages sont venus, alors qu'il était encore qu un, revenu dans, un, dans le corps d'un homme, il était encore bébé, la Bible dit que les, les, les mages sont venus et ils se sont prosternés et ils ont fait offert l'or, l'encens et la myrrhe. C'était des symboles de richesse. Jésus est né dans la richesse. Il est né avec plein d'or qui était suffisant pour certainement faire vivre ses parents pendant leur exil. Et euh, il est né riche. Jésus n'a pas de problème avec l'argent et Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Et je prie que vraiment, tous ceux qui passent par des situations difficiles, ouais. tous ceux qui sont attaqués par la pauvreté, par les dettes, vous puissiez chercher non pas l'argent, mais chercher Christ. Et recevoir et demander à Dieu une révélation toujours plus grande de ce Christ, sauveur de vos finances. Il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, ce n'était pas, eh bien, un jour, vous allez être sauvé, vous allez mourir, et là, vous n'aurez plus de problème parce que les routes de la Nouvelle Jérusalem sont pavées d'or. C'était une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Je vais vous donner ma parole. Vous avez un bon Père céleste, et il prend soin de vous. Aujourd'hui, je prie au nom de Jésus-Christ, que nos yeux puissent s'ouvrir toujours plus sur Christ, le sauveur de nos finances. Quand nous allons voir Christ, le sauveur de nos finances, les puissants, peut-être des principautés sataniques qui se sont élevés de leur trône, Dieu va les faire descendre. Et vous qui êtes humbles, Dieu va vous rassasier de bien et il va renvoyer mm -hmm. à vide les esprits mauvais Amen. qui vous étaient contraires. Amen. 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 Frank, tu viens ouais. prier pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Seigneur, on veut prier au nom de Jésus. Nous prenons autorité contre tout esprit méchant qui pourrait tourmenter maintenant. Nous voulons déclarer la paix du Seigneur dans vos maisons. Nous voulons déclarer la santé dans vos corps physiques. Nous voulons prier que tout esprit d'impureté sexuelle qui pourrait être lié à vous, à par des péchés, par des portes ouvertes, nous prenons autorité. Nous disons quitte cette vie. Et toi, prends la décision de renoncer à toute forme de péché, comme Jérémie l'a dit. Renonce. Si tu dois te repentir tout de suite, appuie sur pause si tu regardes. Et repens-toi de tous les péchés qui pourraient être là, qui, qui, qui gardent les portes ouvertes. Au nom de Jésus, soyez libres, complètement libres. Saisissez-vous de ce qui vous appartient. Arrêtez de subir, mais prenez autorité vous aussi. Prenez la décision demain matin, si c'est encore là, le nuage de dépression sur ma vie. Je vais m'énerver, je vais prendre autorité. Soyez des conquérants, des conquérantes au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Jérémy. Pour, euh, j'ai beaucoup aimé la réponse que tu as donnée pour euh, cette question qui nous ramène toujours à Jésus, notre Sauveur. Merci beaucoup d'être venu. Mmh. Vous allez euh, céder votre place à Nadine et Aurélie qui vont nous rejoindre. Et pendant ce temps, on va découvrir le livre de la semaine dans la rubrique Culture et Médias. Découvrez le livre de la semaine. Hello les filles! Bonjour Yveline! Ça va bien? Ça ouais, va super. super! Bienvenue sur ce plateau où règne une onction de délivrance! Mmh. Et donc, on a un beau programme pour terminer cette émission. Un super livre, un super témoignage. Et pour commencer, notre livre de la semaine, Nadine. Notre livre de la semaine, Combattre sans blessure inutile de John Paul Jackson. Ce livre vraiment. Qui est un prophète! Qui est... Oui, <laughs> j'ai écouté <laughs> le début! Je sais, tu <laughs> Et quand justement, avec Aurélie, on parlait avant de, de venir sur le plateau, je disais à chaque fois, je dis, il y a tellement de choses intéressantes qui sont dites dans ce livre. Et vraiment, c'est un livre que je, je recommande vraiment de vous le procurer sur la boutique Inspiration. C'est un livre en fait qui s'adresse à tout le monde. Tout chrétien qui prie, je crois, peut vraiment bénéficier de la lecture de ce livre parce qu'il vient de donner des principes en fait par rapport au combat spirituel, par rapport à l'intercession. Et comme euh, on l'a dit aussi pendant l'émission, des représailles des fois que l'ennemi peut nous donner. Pourquoi est-ce qu est -ce que c'est est plus dangereux de s'engager dans le combat spirituel? Non, mais il faut s'engager dans le combat spirituel avec sagesse. Et donc, il vient expliquer un peu les principes du combat spirituel. J'aimerais vous lire tellement de, de passages, mais je ne le ferai pas. Je vous invite plutôt à aller vous procurer le livre. Mais quelque chose ici que je vais quand même lire rapidement, il parle de, de l'autorité, des paramètres de l'autorité. Il dit bien s'engager dans le combat spirituel relève d'une simple question d'autorité. L'autorité du mot grec qui se définit par le droit d'utiliser un pouvoir d'agir, de donner des ordres et d'obéir. Mais avant de pouvoir agir avec autorité, nous devons comprendre qui détient cette autorité et de quels ordres nous dépendons. Deuxièmement, nous avons à reconnaître cette autorité, nous y soumettre. Troisièmement, reconnaître les paramètres d'autorité. Et quatrièmement, déterminer les modalités du combat. Comment combattre de façon à ne pas perdre notre autorité. Donc, il vient vraiment expliquer de façon très, très claire. Il parle évidemment de la... Du du fait que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, qu'est-ce qu que ça veut dire pour nous lorsque nous combattons, comment nous devons le faire, l'importance aussi de se, se cacher en Dieu. Il parle aussi de, la, de, 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 de ce que Jésus a fait, de l'autorité, la, il prend des versets, c'est vraiment très 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 bon. C'est un livre, que, que ça c'est le livre de, de mon mari en fait qu'il a depuis des années. Et vraiment, c'est un livre que les intercesseurs à l'Église ont lu, que lui-même a lu, qu'il recommande fortement. Et donc, ce livre se trouve sur la boutique Inspiration, Combattre sans blessure inutile de John Paul Jackson. Super, Et ça a l'air très très, très, très intéressant. Bien. Et oui. je pense qu'on a besoin de savoir ça, parce que parfois, on se fait voler dans nos combats. Mm -hmm. Donc, euh, merci, on peut Nadine. Faute de connaissances. Mm -hmm. Oui, mon peut père <laughs> faute de connaissances. Effectivement, merci <laughs> pour cette belle découverte. On enchaîne avec notre rubrique témoignage. Alors, aujourd'hui, on a un témoignage anonyme. C'est une dame qui vit ici au Canada et elle nous raconte son histoire qui est quand même une histoire un peu difficile. Mais on va voir aujourd'hui que quand le malheureux crie, Dieu entend. Amen. Alors, elle nous dit Dans ma vie, j'ai vécu plusieurs événements très traumatisants inceste, rejet, abus multiples, relations amoureuses abusives, grossesse seule et j'ai vécu dix années avec un mari alcoolique et très violent. Mon mari m'a fait vivre un enfer. J'ai inventé un cancer afin de pouvoir partir et j'ai même pris de l'argent en cachette dans notre compagnie. J'avais tellement honte d'avoir fait tout cela. Je me trouvais tellement euh, sale. Je suis encore en thérapie car je souffre d'un choc. Euh, Post-traumatique chronique. Donc, vraiment, sa situation n'était pas très agréable. Et elle dit même qu'avant de quitter son mari, le procureur et un agent de police lui avaient dit que son mari était considéré comme un homme dangereux. Mmh. Mais elle n'avait pas écouté ça parce qu'elle avait eu beaucoup de mal, en fait, à quitter son mari. et Ils avaient un fils ensemble. Elle dit Après notre séparation, j'ai continué de garder les contêtes. Euh, téléphonique avec lui pour réussir à subvenir à mes besoins et à ceux de mon fils. mais en fait, elle le dit, mais elle dit que, en fait, elle avait plus de désir de ne pas le quitter. C'est pas uh -huh. comment expliquer, mais elle n'arrivait tout simplement pas à le quitter. Au point où même lorsqu'il y a eu une séparation physique, elle a cherché toujours à avoir ce contact-là, ben, avec comme excuse qu'ils ont un fils ensemble mmh. et aussi le fait qu'elle n'avait pas de moyens financiers, tout mmh. simplement. Mais c'était son mari. C'est ça, c'est lui mmh. qui, euh, qui euh, pourvoyait. Elle dit Je devais mentir continuellement et sans parler de la violence qui continuait à me faire subir par téléphone. Pratiquement tous les jours, je me disais qu'il faut que cela cesse, mais je n'y arrivais pas, j'en étais incapable. J'étais prise dans un engrenage. Elle voulait également retourner aux études pour pouvoir justement. Avoir un métier, subvenir à ses besoins et tout. Mais ça aussi, elle avait un handicap qui ne lui permettait pas trop de, de pouvoir le faire. Et en début de janvier, il y a eu un événement, là je passe vite, hein. il y a mm -hmm. plusieurs choses que je passe. En début de janvier, il y a eu un événement déclencheur dans ma vie qui m'a fait très peur. J'ai prié, supplié Jésus de venir à mon aide pour couper les contacts avec lui et m'aider financièrement. J'ai écouté plusieurs vidéos de prières inspirées. J'ai prié et encore prié pour que Dieu nous épargne, mon fils et moi. À partir de cet événement, il y a eu un enchaînement d'événements incroyables. Donc ça, ça s'est passé en début janvier. OK. Et là, on va voir ce que le Seigneur a fait. Elle dit, j'ai coupé tout contact avec mon mari, j'en ai ressenti un tel soulagement. Je l'ai fait grâce par la grâce de Dieu et Jésus-Christ, car moi, j'en étais incapable. Je sentais que c'était cela que Dieu attendait de moi. Je savais aussi au fond de moi que Dieu m'appelait à cesser cette situation. J'ai écouté également, et parle toujours de prière inspirée, les conséquences du feu dans l'Église. C'était une émission avec Jérémy et le pasteur Stéphane Caddy. Et là, elle dit, j'ai pleuré, j'ai senti que quelque chose se passait. Je me suis mise à trembler, ma mâchoire bougeait toute seule. Elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle dit que c'était puissant. Et là, elle explique qu'elle avait des problèmes de poumons depuis euh, depuis ses huit ans, qui n'ont cessé d'empirer. Elle avait de l'asthme, de la bronchitronique, chronique, pneumothorax, donc des ah trucs là très là complexes. Et elle dit je dois prendre trois pompes tous les jours. Et maintenant, je respire super bien. Je ne me souviens pas d'avoir aussi bien respiré. Wow. Mes poumons sont très clairs. Je ne ressens plus de pression au thorax. Je ne ressens plus de rancune ni de colère en pensant aux personnes qui m'ont fait du mal ça c'est suite à la prière mm -hmm. et suite à cela le désir de fumer euh, euh, le désir d'arrêter de fumer euh, est apparu donc elle dit que elle fumait depuis 35 ans mm. et là en fait tout ça elle a arrêté de fumer et suite à ça elle dit aussi que vu qu'elle avait des défis financiers, vu qu'elle n'arrivait pas à couper les ponts à cause de ça, elle avait des dettes, mmh. elle n'avait plus rien à manger, elle était même incapable de payer ses, ses études. Mais miraculeusement, elle a reçu de l'argent de sa sœur. Normalement, elle ne pouvait pas faire d'études à cause de sa condition physique, mmh. elle était considérée comme handicapée. Miraculeusement, elle a été acceptée aussi au niveau de l'école. Et même vu qu'elle était survenue, elle ne pensait pas pouvoir avoir une bourse. Miraculeusement, mmh. elle a obtenu une bourse. Mmh. Donc, il y a une série de miracles comme ça qu'elle a obtenus. Et elle dit, depuis le début de l'année, elle dit, mon fils et moi n'avons manqué de rien. Gloire Dieu a mis Dieu. des personnes sur mon chemin pour nous aider. Des événements se sont succédés miraculeusement. Maintenant, nous sommes très bien financièrement. Je suis même mieux encore que je l'eusse espéré, même dans un rêve. Mmh. Dieu m'a donné bien plus que ce que je souhaitais. Gloire à Dieu. Mmh. Merci Amen. Aurélie. On bénit le Seigneur pour ce qui a été fait dans la vie de cette sœur et j'espère qu'à la maison, vous allez pouvoir obtenir votre percée si vous êtes dans le besoin, que ce soit financier, que ce soit physique ou autre. Le Seigneur est avec vous. Fixez vos yeux sur lui et saisissez-vous de votre autorité en Jésus-Christ. On se retrouve demain. Nous allons continuer une semaine où nous allons parler de cette autorité que nous avons. Refuse la peur et choisis la vie. Ce sera notre thème. De de demain ils nous aurons une rubrique famille avec Frank qui va nous parler des couples dans l'épreuve, choisis la, la foi et non la peur à demain, merci à tous de nous avoir suivis